Voilà, donc sur les trois premières, 1, 2 et 3, le jonc va s'arrêter juste à l'avant-dernière, ici. On laisse dépasser d'un centimètre, là. Voilà. Et donc là, ça part d'ici. Ici, il n'y a rien, donc très bien. Très bien pour la 3 mètres. C'est la 3 mètres, ça. Donc la première, c'est bon. La deuxième, c'est pareil, elle arrive ici. Pour que le bord de fuite il puisse bouger. Donc 1, 2, 3, pareil. Donc il faut les. Voilà, 1 cm ici. Après, ça laisse le bord de fuite. Et après, à partir de la quatrième, il y a de A à B. Hein, 1 cm. Et après, c'est des petits bouts. Après, il y a des petits bouts. Des petits bouts. Des petits bouts. Et ici, ben. Au bord de fuite, hein, c'est voilà, le bord de fuite, c'est comme ça, quoi. Et ça va comme ça jusqu'au milieu. Alors par contre, au milieu, alors ici on est au milieu. Il y a une petite astuce pour éviter que les caissons s'écartent. Donc ici, il y a une tresse. C'est juste au milieu. Hein. On est vraiment au centre. Hein. Voilà. Donc il y a des limitateurs de pour éviter que ça s'écarte ici. Voilà. C'est tout ce qu'il y a. Voilà. Voilà. Et il n'y a rien de plus compliqué. Hein. Ici, les joncs, ils vont de A jusqu'à B. Et après, c'est des petits bouts. Voilà. Donc le seul truc qu'il y a à retenir, c'est les trois premiers, quoi. Qu'ils soient plus 1, 2 et 3, qui sont plus longs, quoi. Voilà, qui s'arrête. Il n'y a que le dernier là qui est entre celui-là et le bord de fuite. Bon, là, ça reste souple. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça.